C'est parti, Doc. Thank you.
chargé. Je dois recharger. Thank you.
Docteur Freeman, c'est le foutoir là-bas. Ils ont dû céder les rues aux Striders si près de la citadelle. En les attaquant de haut, on peut sûrement les repousser. On arrive au mur de la citadelle, Doc. Je sais pas comment on va percer, mais vous en êtes si bien sortis jusqu'à présent, vous trouverez une solution. On doit attendre le cheval! Je me charge.
Attendez-moi. Thank you.
Venez, soignez-vous. Prenez une trousse de secours. Vers les chevals! Le chien est arrivé sur la place en se cognant sur les murs et... Je pense qu'il cherche Alix. Je crois qu'il s'est mis dans la tête qu'elle est dans la citadelle. Je pensais qu'Alix voudrait lui éviter des ennuis, mais... Celui-là, quand il a une idée en tête... Chien, pas ici! Tu ne peux pas passer par là! C'est le comble. Je pense qu'il veut que vous passiez, Gordon. Dépêchez-vous. Et si vous voyez le docteur Brin, dites qu'il ne m'a pas. Allez vous faire prendre! Thank you.
Voici le docteur Freeman. Enfin. J'aimerais dire que c'est une bonne surprise, mais ce n'est pas une surprise du tout, et encore moins une bonne surprise, n'est-ce pas? Je suis simplement quelqu'un de pragmatique. Docteur Freeman, dans d'autres circonstances, j'ose espérer que nous aurions peut-être pu travailler ensemble dans une atmosphère de confiance et de respect mutuel. Thank you.
Ah!
rejeter. Cela en vaut-il la peine? Je m'en occupe. Ça ne sert à rien de lutter. Tant que vous n'êtes pas là où il veut, il n'y a rien à faire. Désolé, Gordon. Des géantes gazeuses peuplées de vastes intelligences météorologiques. Des mondes qui s'étirent entre les membranes où les dimensions se croisent. Impossible à décrire avec notre vocabulaire limité. Ce que j'ai vu est aussi inqualifiable, Brin. Un génocide, un mal indescriptible. Oh mon Dieu. Eh bien, si ce n'est pas Gordon Freeman, enfin. Qu'est-ce que c'est? Apposez ça là-bas. Recevez ma gratitude, docteur. D'abord, vous me conduisez jusqu'à mon plus vieil ami, puis vous vous livrez. Si j'avais su que vous viendriez directement à mon bureau, je n'aurais pas pris la peine de vous pourchasser. Je vous ai tous les deux sous mon emprise. Je peux négocier n'importe quel marché avec le cartel. Docteur Brin. Wallace. Oui, Judith, qu'y a-t-il? C'est pour la vie d'Ellie qu'on devrait conclure ce marché, pour qu'il poursuive ses recherches. Grâce à vous, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Vous êtes plus que qualifié pour finir ses recherches seul. Aucun de nous ne peut convaincre cette racaille dans les rues d'abandonner sa lutte insensée.
Mais Ellie refuse de prononcer les mots qui les sauveraient. Les sauver ? Pourquoi ? Ellie, si vous ne faites pas votre devoir pour le bien de tout le monde, peut-être le ferez-vous pour l'un d'entre eux. Alix, mon ange. Papa ! Gordon ? Non. Bon sang, Bryn, lâchez-la. Tout dépend de vous, mon vieil ami. Laisserez-vous votre étroitesse d'esprit condamner notre espèce, ou donnerez-vous à votre enfant la chance que sa mère n'a jamais eue ? Comment osez-vous parler d'elle ? Ma chère Alix, vous avez les yeux de votre mère, mais vous êtes têtue comme votre père. Et vous n'avez encore rien vu. Vraiment ? Voyons si cela vous sera utile de l'autre côté d'un portail du cartel. Allez-y, Bryn. Si c'est le pire que vous puissiez faire, téléportez-nous. C'est loin d'être le pire. Mais une fois là-bas, ce sera difficile à croire. Ce n'est pas nécessaire. En effet, c'est un tel gâchis. Heureusement, la Résistance est prête à accepter un nouveau leader. Et celui-ci est un pion docile pour ceux qui le contrôlent. Non ! Ne l'écoutez pas, Gordon. Qu'en pensez-vous, Dr. Freeman ? Saviez-vous que votre contrat était ouvert aux plus offrants ? Gordon n'aurait jamais rien négocié avec vous. Je comprends si vous refusez d'en parler devant vos amis. Laissez-moi les renvoyer et nous parlerons librement. Ne te débats pas. Papa, je suis vraiment désolée. Alix, mon cœur. Judith, mais qu'est-ce que vous faites ? On fait ce que je n'aurais pas pu faire toute seule. On vous arrête. Oui,